Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc comme promis pour le lancement du Let's Play sur Dead Island Definitive Collection. Alors comme vous pouvez le voir tout à fait en haut à gauche, j'ai mis interdit au moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est quand même assez violent, même s'il y a pire. Mais moi de mon côté, je préfère mettre le petit signe parce que pour moi, c'est pas un jeu qui est approprié au moins de 18 ans. Donc on se retrouve donc sur le lancement du Let's Play avec les tutos de Fredo, autrement dit Fred. Vous aviez pu nous voir dans le bêtisier qu'on vous avait mis, je vous le remettrai en lien à la fin de la vidéo et je vous mettrai aussi en bas de la vidéo le lien de la chaîne de Fred, donc des tutos de Fred, afin que vous voyez son point de vue à lui, parce qu'effectivement dans le jeu, le problème c'est que quand on combat, eh ben moi je vois pas ce que je fais, je vois juste mes mains et je vois Fred ce qu'il fait, mais Fred au niveau de sa chaîne, vous verrez moi ce que je fais, vous verrez mon perso et lui on voit que ses mains, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est parti pour le Let's Play, l'épisode 1 de Dead Island Definitive Collection en coop avec les tutos de Fred, d'où Fredo, je vous le redis. Et puis, installez-vous. Un petit peu loin de l'écran par moment, on a changé les persos, on n'a pas gardé les mêmes que ceux qu'on avait choisis lors de la vidéo que je vous mettrai en fin de ce Let's Play. Mais... je vous dévoilerai pas tout, mais j'ai pas pris une tendre, voilà, et lui non plus. Donc c'est encore plus sanglant que dans le bêtisier. Alors je ne sais pas si, par contre, le fait d'avoir changé les personnages ont un impact au niveau, en tout cas, du gameplay. Mais ce qu'on a pu s'apercevoir, en tout cas, c'est que y a des choses qu'on a fait dans ce Let's Play que vous allez voir et suivre, je l'espère, que l'on n'a pas eu lors du test qu'on a fait sur Twitch, d'où le bêtisier qu'on vous avait fait. Donc je pense que le fait, en fonction du choix des persos qu'on fait, ça change certaines choses dans le jeu, à voir bien sûr par la suite. Donc installez-vous confortablement, préparez-vous à faire des bons, je l'espère. Préparez-vous à voir du zombie se faire écrabouiller, tuer et j'en passe. Attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de sang et de violence. Vous êtes prêts? C'est parti pour le Let's Play EP1, le prologue. Alors, toi tu prends Logan, hein, t'as dit? Ouais. C'est l'expert d'armes de lancer, ouais. Moi, experte des armes à feu, bon l'autre je l'ai fait. Et il y avait après ton Sam. Ah, mais il y en a un autre, il y a Ryder. Ah ouais? Après Black. Ryder, il est spécialiste de rien du tout, lui. Expert des armes de lancer, ouais, je vais prendre ça. En fait, il a juste de l'endurance en plus. Ouais, ça peut être pas mal ça. I hate rich assholes. Which is fucking ironic, since I'm expected to put my bloody life on the line for them. That's what they pay me for, this pricey hotel here. To be a bodyguard for the rich and famous fuckwits who come to Benoit to blow their money. I used to be a cop, a bloody good one. A vice detective in Sydney. You know how many female half-aborigine detectives there were before me? None. You think it was easy? Suffering the abuse of my so-called colleagues. Half of them hated me because I was a girl. And the other half didn't like the fact that my mum was a curry. So I came up the hard way. I busted my ass. Pardon? It took me 12 years to make detective, and that still wasn't enough. It's an old boys club, you know? The whole justice system is a fucking joke. Teenage drug addicts get put away forever, and old white wankers who steal fucking millions get away scot-free. One rich bugger I investigated was clearly molesting his 14-year-old daughter. But he had too much pull with the politicians, so I couldn't touch him. After the girl killed herself, I confronted him, but he just laughed at me. He pulled out a pistol and told me he could blow my bleeding head off and no one would care. Because I was nothing.
a nobody, an abo bitch. So I fucking took his gun away and shot the bastard. Ah bah, c'est pas une tour d'aiguille. It was self-defense, but I still got sacked. Tu disais? 12 bloody years down the drain. Worst part is, I didn't even kill the son of a bitch. I just gelded him. Bon, allez, moi, je prends le militaire. One day, I'm gonna have to go back and finish the job. Bon, en gros, la mienne, c'est une ancienne détective. Ouais. Et en fait, elle a pas voulu buter le mec qui a tenté de la violer, mais en fait, elle l'a carrément castré. D'accord. D'accord, elle est sympa. Hein. Ouais, jouer en one push mode ou non, je sais pas. Ça y était pas ça la dernière fois aussi? Si, ça y était. On avait pris quoi? Nous, on avait pris normal. Hein. Nouvelle partie. Vous avez déjà terminé le chapitre prologue, voulez-vous le refaire? Oui. Hop, hein. Bon, allez, je sélectionne. Moi, je prends le militaire. Moi, je suis parti dans le prologue. Ok. En mode solo, la campagne. Pourquoi là il démarre en mode solo? Ah d'accord, lui c'est en mode solo, d'accord. Ok, bon bah je prends l'autre alors. Attends, j'espère que moi elle est pas en mode solo là. Non, 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 c'est l'autre. C'est seulement le celui qui est à part là. L'espèce de militaire, c'est il y a que tu prends en mode. Qui fonctionne qu'en mode solo. Allez, c'est parti pour le prologue. Ouais. Je sens que ça va être le bordel. Ah ben, moi, va tout défoncer. Attends, tu vois, j'ai trouvé un kit de soins que j'avais pas trouvé le premier coup. Dans la salle de bain. Bon. Je vais aller voir la salle de bain. Ah ouais, t'as raison. Peut servir. Attends, comment je cours déjà? Ah ouais, le prologue aussi nous sert à vérifier nos touches. Comment je cours pas déjà? Ah oui, comme ça. N'oublie pas de prendre le pognon. Non, t'inquiète. It's always worth taking a look. T'as appris qui alors, Logan? Ouais, ouais, Logan, celui avec la coupure au quoi, c'est parce que le militaire, c'était... je pouvais faire que le mode solo avec. Oh. Et là, comme on veut se mettre en coop, mode solo, c'est pas intéressant, quoi. Mais elle m'agace, la manette. Ah, y'a pas de Z. For safety reasons, all elevators are offline. Please remain calm and follow the instructions of the helpline. Je suis en train de ramasser de la maille, du flouze. C'est moi ou je suis dans des bugs là, hein? Putain, ça lag. This is hotel emergency broadcast system. Please leave your apartment immediately. Disais, ça lag. Ouais. Trois plans, on va prendre l'argent en fait. Ah ouais. C'est le temps que ça se mette en place. Hein. Du coup, moi je fouille tout parce que, comme il y a des trucs. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas fouillé la première fois. Je pense que je me gourre pas. Ouais. Là, il y avait une petite valise bien planquée. Ah, la cinématique pour péter la porte, elle est bizarre. Hein. Ça, c'est pas nouveau. La lampe torche, là, là-bas. Je peux passer, hein, bizarre. J'ai fini de tourner avec la manette. Hein. Ah,
là, on peut pas sortir. Oh, plein de bagages. Complètement débile. Pour enfoncer la porte, la manette ne le prend pas en... Maybe there's something we can use. Faut que tu la secoues, non, ou comme ça. Non, non, même pas. Marche pas. D'autres chambres, non? Ça va être la grosse bourrine, la mienne, je sens venir. Ah, je suis en train de regarder par le balcon. Tu me diras si elle est bourrine, hein, parce que moi je la verrai pas. Ouais, bah ouais. Oh, des gens qui volent! Mon perso vient de se prendre un coup de flip, laisse tomber. T'es plus loin que moi déjà. Ouais. C'est vrai que le paysage est beau, hein, vache. Mmh. Allez, jusqu'à la cage d'ascenseur. Que je bourrine ma manette en fait. Hein. Ouais, carrément. Let's take a look, shall we? Déjà, une grosse voix. Il y en a que je te foute sur la gueule. Je suis une camionneuse. Hop, oh, il y a du monde. Oh putain. T'es déjà en bas, toi? Ouais, presque. Je suis dans l'ascenseur. J'ai failli me faire avoir par deux aides là. Je vois si j'oublie rien parce que. On peut pas revenir après, hein? Ouais, malheureusement, non. Quoi qu'on n'a pas testé de re-rentrer. Mais il est super. Je trouve une arme, il est mignon, lui. Quand j'entends sa gueule partout, là, derrière moi. J'essaie de l'ouvrir comme ça. Maybe there's something we can use.
Déjà, elle a des ranjo, hein. C'est mieux que les talons. Ouais, ça aide un peu mieux pour Corel. Je vais te finir le prologue. Oh, je suis loin, moi. Bizarre, cette porte, elle est pas fermée en rouge. C'est sûr, je suis loin, cette pierre. Super. Oui, je vous trouve. Défoncer la tête. Ouais. Bon, elle est toujours en mini-jupe, hein, quand même. Hein. Pour la tienne, hein. Voilà. Mini jupe avec Ranger. D'accord, carrément. Alors maintenant, oh, il y a un truc là. Tac. Voilà, le panneau Hérald extrait 1, je l'ai attrapé. Je suis toujours à la cinématique des Toubibs. Pas des Toubibs. De ceux dans le truc. Ouais, de ceux qui veulent te défoncer la tête parce que si tu bouges pas, quoi. Ouais. I'm doing it. No! Did my buddy tell you? Now stop! Ouais. Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Not the head! Du coup, maintenant, not the bloody head! Non, I'm asking you again! Pardon? Non, j'en suis au moment où ils vont me coller une batte de baseball à la tronche. D'accord. I'm a doctor, not a bloody executioner. Do you know how close we came to bashing your head in? Dans le lobby, quand tu l'auras fini, tu me dis. Ouais. Ah, tu me casses la tête, toi, pardon. Those things came for us and Cinemoy would have to kill them. SOS! Why won't anyone help him? Just let him die out there! He saved your life! You owe him your life! Please! He's the only one protecting us! You going out there? Are you nuts? You're not gonna help him. Get the hell out of the way! You at least have a weapon? You need to find a weapon! Why won't anyone do anything? Tais-toi, toi! Va les aider, toi! Right. Bah, tu vois, les chiens, ça là, à te dire ce que t'as fait. 1, 2, fucking 3! Ça y est, j'ai pris la patate. J'ai pris la baguette? La patate! Ah ouais. Ah bah non, c'est après. Ouais, très violente. Hein. Wow. Tu disais que l'autre j'étais pas tendre, mais là, je suis pas tendre. Oh, ça fait je sais pas combien de fois que je m'en mange des patates comme ça, mais à chaque fois ça fait bizarre. Hein. That's the last one. Allez. Okay then. Thanks, mates. Ok, acte 1, c'est là où on se rejoint. Ouais, exact. Couché. Ah, ah. Merde, on n'est pas en coop, on est en solo là. Non, t'inquiète. Non, non, si, on va se rejoindre après avec le lobby, t'inquiète. We were just attacked. Listen, your friend from the hotel is awake. You were worried about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw him and took my life. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. Voilà, by air, by sea, but first you need to get here, to me.
I have many sick and injured here, mate. Tiens. They're crazy with fear. Tell me where you are. Maintenant. Where are you? C'est le mode coopération, tu vois. You there, mate? Voilà. Hello? On passe en lobby. Hello? Oh, God damn it. Confirmé. So you think you're gonna make it? Voilà. T'es dedans? You didn't think you were gonna make ouais, it. Ouais, t'es toujours avec ta... Name's John Cinnamon. The headline. Ah non, guy. Je suis dedans à parler au mec. Moi. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you. I saw the bite marks. You got no symptoms, but... Those aren't love bites, are they? I don't know who you are, or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. Voilà. You need to ask. Will you help me? Voilà. Ah, bah voilà. Wow, t'es sexy là-dedans, toi. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être une tendre, je te dis. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room, with all the commotion. I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die.